Attends. Bibi. Vite Valais. Et le sable est vachement fin, hein. Putain, c'est incroyable. En fait, il faut que je m'achète du... faudrait que je m'achète une perche, quoi. Pour porter là, pour pouvoir la mettre au bout comme ça là. Ou alors faut que je m'achète une ventouse pour me mettre sur la tête. Je sais pas s'il y avait la ventouse sur la tête, peut-être qu'ils sont réaccrochés. Ça ressemble, hein? Ça y ressemble, ouais. Le sable, c'est tout couleur et tout, là. Hein. Il est bien tassé. C'est bizarre, hein? Il est bien tassé. Ouais, les traces, c'est l'oiseau, les oiseaux. Hein? Des oiseaux. Doraemon à Death Valley. Un japonais à Death Valley. Un peu, là. Descends un peu. Non, non, je l'ai là, c'est... j'ai un grand angle. J'ai un grand angle. C'est pour ça que je filme avec celle-là, là. Parce qu'il y avait le... C'est pour ça que je filme avec celle-là, la Lique, là. Parce que j'ai un grand angle. Donc j'ouvre, je balaye à pratiquement 120 degrés.
Ah mais il est tombé. Et là, on est... Toi et tout ça, il n'y a pas si fermé. Là, il fuit, marqué. Il fuit, c'est la taxe. La taxe. À la caméra. T'as l'appareil photo ici là ? Hein ? Allez, vas-y, fais le pli, sur le champignon. C'est la pile. Yes ! Ah, magnifique, magnifique. Dite vallée. Et le sable est vachement fin, hein. Putain, c'est incroyable. En fait, il faut que je m'achète du... faudrait que je m'achète une perche, quoi. Pour porter là, pour pouvoir la mettre au bout comme ça là. Alors, il faudrait que je m'achète une ventouse pour pouvoir la mettre sur la tête. Je sais pas s'il y avait la ventouse sur la tête, peut-être qu'elle serait accrochée. Mais les fusées sur la lune, il me fait ses conneries, c'est pas vrai. J'ai dit, mais attends, tu rigoles ou t'es... Au début, je croyais qu'il rigolait. Mais après, je me suis aperçu que, tu sais, il avait eu un bourrage de crâne, quoi. C'est, tu voyais que c'était le... Mais c'était le musulman, hein.
Ah non, non, mais il y en a plein qui croient que c'est une connerie. Hein. Et donc, mais là, regarde, quand tu vois, quand tu vois les photos, de, ça ressemble. Hein. Ça ressemble, ouais. Le sable, c'est toute couleur et tout. Là, hein. Ouais. C'est bizarre. Hein. Il est bien tassé. Tu vois qu'il est bien collé au sol. Hein. Ouais, les traces, c'est l'oiseau, les oiseaux. Hein? Des oiseaux. Non, c'est pas des oiseaux, ça. Ah, ça non, non. En bas, il y avait des... Oula, putain. Ça, c'est un on s'enfonce. Oh, la nager. Oh, putain. C'est un petit mammifère. Doraemon à Death Valley. Un japonais à Death Valley. T'es un peu haut, là. Descends un peu. Non, non, je l'ai là, c'est... j'ai un grand angle. J'ai un grand angle. C'est pour ça que je filme avec celle-là, là. Parce qu'il y avait le... C'est pour ça que je filme avec celle-là, avec la Leica, là. Parce que j'ai un grand angle. Donc j'ouvre, je balaye à pratiquement 120 degrés. Tiens, ah, mais il est tombé. Allez, nous voilà partis dans un canyon. Température extérieure plus de 25 degrés et pas d'air. Ah ben là, il y a eu de l'eau, donc je sais pas si quand il fait... Ah mais à mon avis quand il pleut, quand il fait des orages et tout, ouais, ça ramille. Non, ça. Ben non, ça se voit là. Ça ne serait pas comme ça. Ah non, mais à mon avis, quand il fait des gros orages, donc ça va descendre quelque chose. Oui. Vu l'état de sécheresse du terrain et tout, l'eau n'a pas le temps de s'infiltrer, donc en fait ça ravine, ça descend.
Par contre, bon, à mon avis, fut un temps, je pense qu'il y a eu, il y avait une rivière qui devait, à l'époque où il y avait le lac en bas, je pense que c'était les rivières qui alimentaient le... Le lac, il était alimenté. Ben, le lac, de toute façon, il était alimenté par les eaux de la montagne, c'est sûr. Donc, comme bon, tous ces... À mon avis, les sources se sont taries, le lac s'est asséché, et donc voilà, il reste ce qui nous reste. C'était l'eau, quoi. Ah ben oui, c'était un grand lac, hein, à mon avis. Le lac, à mon avis, il était balèze. C'était pas un petit, une petite mare. On avait fait, nous, avec Corinne, une année, une randonnée comme ça, de 20 bornes, dans des gorges comme ça, là, en Crète. On a fait une randonnée comme ça avec Corinne sur un canyon. On part de 2000 mètres d'altitude en crête et on descend jusqu'à la mer. Ah oui, donc là c'est bel et bien le lit de la rivière, hein, qu'il y a eu. Hein, Ah ouais. Mais c'est bizarre comment c'est... La différence est des... Des pierres. Et des couches, ouais, qu'il y a. Il aurait fallu prendre de l'eau, hein. On n'a pas pris d'eau, hein. Si Corinne doit en avoir, je pense. Le papa avait 5 bouteilles d'eau, elle. Voilà, et toi, là, c'est vraiment la gorge de... À mon avis, tu peux traverser toute la montagne, enfin, aller jusqu'à où à l'époque devait être la source de départ. Ouais. Ah oui, quand on est à l'ombre, on est bien là. Ça glisse. Attention. Allez. Ah ben on peut monter jusqu'au sommet de... On peut aller jusqu'au sommet, hein.
Souriez, je vous filme. Ça c'est dur, hein. Le canyon. Bah à mon avis, là, il continue. Hein. Je pense qu'il y en a pour un bon morceau, hein, pour arriver au bout de. Et ce beau ciel bleu. C'est pas souvent qu'on a un ciel bleu comme à Paris, quoi. Un trou dans son pantalon encore. Ouais. Le cul mouillé quoi. Mais Momo, il t'en reste beaucoup des vêtements quoi. Mais non parce que au début, la veste de truc. Alors quand tu étais derrière comme ça. J'étais là. Bah ici, pour faire pipi, à mon avis, ça va être compliqué. Là, dans le recul, on ne te voit pas, Alexia. Là, tu descends. Qu'est-ce qu'on fait? On va jusqu'au bout, là, ou quoi? Hein? Alors, c'est la même vue. Qu'est-ce qu'on fait? On continue jusque... Hein? Si c'est la même vue, c'est pas la peine. À mon avis, c'est la même vue. Ah bah, c'est pareil, hein. C'est le même... faire un peu le tour du propriétaire.
Là par contre ici on voit toute la. On voit tout le. L'ancien lac. Hein.